Salut à tous, c'est Anime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette activité, enfin du moins cette série. La salle, écoute, je te mets au défi de finir cette course en 15 minutes et donne 20 minutes. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Alors, Eden, normalement tu t'es amélioré à force de faire des roquettes défis avec la salle. Oh là, oh, attends, j'avais même pas vu, j'avais ouais, même moi pas non vu. Plus, moi non plus, c'est pour ça que je savais pas. J'ai cru qu'il fallait booster tout là-bas, j'ai pas compris. Eden, à force de faire des roquettes défis, normalement c'est... Oh, premier coup, là, ça... Eh, t'es chaud cette année, toi? Toutes les années, pas cette année. Toutes les années, la salle. Non, c'est vrai que effectivement les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette activité. Je sais pas de combien de temps, mais en tout cas, la salle est passée du premier coup. 15 minutes challenge, je pense que tu peux... T'as fait combien, toi? Alors moi, les gars, je l'avais fait en living, J'avais fait un peu plus de 15, hein, quand même. J'avais fait, je crois, 19, un truc comme ça. Disons qu'il faut avoir le talent, il faut avoir le bon texte et le bon débit. Le bon texte, le bon débit. En fait, c'est en plusieurs fois, ouais, tu vois, la salle, t'as vu? C'est... Bon, là, je pense que t'as un peu beaucoup trop d'élan, à part si t'atterris, t'as de la chance, non. En fait, malheureusement, okay. Fallait enchaîner, tu vois. Tu t'es arrêté. Ah. C'était un peu compliqué. Alors, on va voir. Eden, t'as passé ou pas le trou? Non, je passe, j'essaie de passer le trou, là. Ok. Alors, ce qui est bien, justement, dans ce genre de course, voilà, tu vois, la salle, en vrai, c'est plus simple. J'ai failli passer dedans. Ouais, t'es bien, t'es pas mal. Il y en a encore un troisième, hein, bien évidemment, tu doutes bien, j'ai un 1203. Et là, techniquement, la salle, c'est du direct, tu vas rentrer dans le tuyau. Oh, quand même, hein. Ça t'a dévié, hein. Ça t'a dévié, ouais. Mais ça va, ça passe. D'ailleurs, la salle, okay. Si t'as un conseil à donner aux gens qui aimeraient bien s'entraîner en roquette voltique, qu'est-ce que t'as à leur dire? Ce serait quoi ton conseil? La roquette voltique le plus compliqué, c'est de savoir gérer la distance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de conseil particulier. Il faut savoir gérer le frein à main, il faut savoir la gérer dans les airs. Mais surtout, tu vois, par exemple, là, deux fois d'affilée, je suis déconcentré, je vise mal. Et en fait, le truc, c'est de savoir comment... Est-ce qu'il faut viser loin ou bof? Là, par exemple, il faut viser plutôt loin. Tu vois. Bon, là, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais ça va passer. Mais tu vois, il faut viser loin. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça le plus difficile. Ah, et quand ça te fait ça, tu fais quoi? T'essayes de rattraper, comme moi, j'ai l'habitude de faire, mais tu vois, ça passera pas. Ah ouais, t'as pas, j'allais le dire, waouh. Ça aurait été incroyable, effectivement. Bon. Et c'est bon. N'oubliez pas les gars, vous avez 15 minutes challenge, donc vous êtes plutôt sympathiquement pas mal. C'est vrai que c'est ça le plus dur, c'est de voir est-ce qu'il faut de l'élan, est-ce qu'il faut aller plus loin. Plus ou moins loin, ouais, c'est ça, exactement. Et t'as aussi la technique, la salle, quand tu boostes en arrière, c'est vrai que cette technique m'a beaucoup servi. Moi qui n'arrivais pas la salle justement à... Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait à passer des points et tout, mais en fait quand tu fais la technique... C'est vrai que bah, c'est un peu plus simple. Alors, par contre, on n'aurait pas dû faire ça, je pense, là, non? Si, bah, en fait, j'ai essayé de rebondir, tu sais. Ah. Et malheureusement, c'est pas passé, il me manquait mais un si tout petit peu. Tu serais resté tout droit, non? Là, t'es bon, normalement. Non, un peu loin. Pas bon. Ouais, un voilà, peu. Je suis pas bon. Alors là, ça, normalement, ça, ce genre de truc, c'est du direct. Je le sais. Normalement, ça, tu passes du premier coup. Mais la salle, concentration, in the haven. Eden, t'en es où? Moi, j'ai passé le trou, là, déjà. C'est déjà pas mal. Au suivant, là. C'est que j'ai pas vu, en fait, qu'il y a une rampe en bas. Alors là, la salle, fais gaffe, c'est comme tout à l'heure. Tu vas devoir passer en dessous du pont. Normalement, tu devrais être pile poil bon. Ah ouais, parfait. Fais gaffe, hein, parce que tu sais très bien que ce genre de truc, faut savoir bien viser, parce que des fois, tu peux atterrir trop loin, tu vois, ah, tu peux mais déraper. On comprend pas où il faut aller, là. Mais là, t'es plutôt sympathiquement pas mal, la salle. Ouais, on est bien. Ok. Allez, tout doucement. Mais sûrement. Moi j'aime bien dans ce genre de course, c'est ça la salle. C'est vraiment le fait d'enchaîner. Tu vois, 3 trucs d'affilée. Et là je crois qu'il y en a même 4, je pense. Ou non, quoi, il y en a 3. Il y en a 2. Mais tu peux. Voilà, tu vois. Ah, il y a pas mal. Voilà, c'est bon. Tu m'as dit quoi, Eden? Du coup, parce que je t'ai non, je demandais si t'étais passé, mais c'est bon. Ça a répondu à ma question, quoi. Ok. Il est pas mal. Franchement, pour l'instant, il gère bien. Tu vas pas m'humilier cette course quand même. Vous êtes à combien de temps vous dans le chrono? Bon, après vous êtes pas parti. On a 5 minutes 49, mais en vrai on a largement moins quoi. Oui, bah vous êtes parti quand même beaucoup plus tôt que ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant,
La salle, ça va. Malgré le fait que tu sois tombé, t'aurais pu faire peut-être un meilleur score, je pense. Ouais, j'aurais pu gagner une minute de ouais, plus, c'est tout. Je pense. Max. Eden, ça va, ça se passe ou pas? Ouais, je comprends rien à ce qu'il faut faire, en fait. Je sais pas où sont les rampes. On voit sur la minimap. Carrément, on ne voit même pas sur la minimap, mais on te voit carrément. On va venir après, mais je comprends pas. Vraiment du mal. En fait, faut enchaîner de plateforme en plateforme, tout simplement. Voilà. Non, mais quand j'atterris, en fait, je tourne. C'est... Non, non, ça, c'était le truc de tout à l'heure. Ah, voilà. Ah ouais. J'ai cru qu'il fallait aller à droite. Mais aussi, la salle, c'était un conseil aussi, c'est vraiment savoir gérer le frein à main. Ça, c'est un truc que, par exemple, très important, moi, ouais. Les gars, au tout début, quand je jouais en Rocket Voltique, je n'arrivais pas à gérer le frein à main. Parce que déjà, j'avais mon frein à main sur R1. Donc déjà, ça, je vous conseille de l'enlever et de le mettre sur 3, les gars. Ah bah, c'est ce que j'ai, moi. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu t'as sur R1, toi ? R3 ? Bah ouais. Ah non, mais là, ça, t'as pas... Attends, je vais le mettre. Sur croix, oui, oui. Alors, je vais vous montrer pendant que la salle est tombée. Vous allez dans paramètres, les gars. C'est où déjà ? Tu vas dans paramètres. Commande. Et vous en commande, ouais. Voilà, vous faites ici, là. Et normalement, c'est inverser frein à main. Inverser frein à main, vous mettez avec, les gars. Et en fait, vous avez le frein à main sur croix. En fait, vous avez juste à appuyer croix et en même temps, bah, vous gérez tranquillement le frein à main avec, avec le joystick. C'est vrai que ça, je l'ai pas fait moi, alors que c'est vrai que c'est chiant sur R1. Ouais, bien joué la salle. Ok, c'était limite, mais bien joué. Ok, oui, du coup, c'est vrai que ça, c'est important, justement pour, voilà, ici, par exemple. Dans ah, ce c'est mieux, c'est un peu mieux, quoi. Bon. Ouais, il était proche. Ouais, ouais, t'as boosté trop tôt, trop fort, pardon. Ok, allez. We can do it, we can do it, c'est satisfaisant, nous aimons te voir la salle passer ce genre de truc, surtout quand il y a des petits sauts comme ça sympathiques. Eden, il est en train de gérer aussi, attention Eden. Oula, ouais, j'essaye, mais je suis la Rocket Voltique, c'est pas du tout... Et c'est là qu'on va devoir utiliser le frein à main à la salle. J'aime pas la Rocket Voltique, moi. Là, regardez, la salle, son frein à main vers la gauche, et tout simplement, tu rentres dans le tuyau. Parce que c'est vrai qu'ici, moi, à l'époque, quand j'arrivais pas à gérer le frein à main, je faisais n'importe quoi, tu vois. Je prenais pas le frein à main, du coup j'essayais de tourner avec les joysticks et tout, ça marchait pas. Alors que là, vous allez juste à prendre votre frein à main, hop, vous restez appuyé sur croix. Vous tournez tout simplement, et là, vous êtes pile poil face comme la salle a fait tout à l'heure. En tout cas, il est en train d'enchaîner tel un enchaîneur. D'ailleurs, ces créateurs en a plusieurs, on les fera tous. Elles sont pas mal. Ok, ça passe bien, ça passe bien. Ouf. C'était limite là la salle. Ça aurait été peut-être un peu trop à droite. Ah non, non, bah non, la salle, ça c'est non, oh. Non. Tu n'as pas le droit, la salle, tu n'as pas le droit. Ok. Vous êtes à combien de temps, les gars, vous, dans le truc ? 8 minutes 55. 8 minutes 55. Oh, pas mal. En vrai, vous avez le temps. Vous avez à peu près 5 minutes devant vous, la salle. Un peu plus, même. 6-7, je pense. Mais c'est vraiment. C'est galère, hein, ce truc ici. En fait, c'est tellement mal indiqué. Bah en fait, faut suivre les flèches. Il y a des flèches normalement, comme là, la salle, il y a une flèche. Ah, à gauche. Bah non. Non ? Ah bah, il y avait un... Non ? Ok, j'avais l'impression que ça disait tourner à gauche. C'est peut-être le bug des plateformes, j'en sais rien. Ok, mais en tout cas, t'es en train d'enchaîner là. T'es chaud là, tu danses à lambada, tu fais tout en fait. Bah non, mais je le fais normal, quoi. Ok, normalement tu vas bientôt être à la fin de la salle. Techniquement, c'est plutôt pas mal. Ah ouais. Ok. Ouais, bah je t'ai dit. Et bah j'ai envie de dire même carrément, si t'enchaînes direct, tu vas peut-être faire le 10 minutes challenge. Hein. Ah aïe, là, aïe. Ça va être compliqué là par contre. Ah j'ai pas vu, oh là là. Ah tu peux. Oh. Non, j'avais pas vu qu'il y avait un autre truc. Aïe 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 aïe. Tu deg. Vous êtes à combien? Bientôt 11 minutes. Ah ouais, non, 10 minutes ça va être chaud. Ça va être complicado. Complicatado. Alors les gars, voilà, moi j'ai trop été habitué sur le frein à main, je vais remettre comme avant, j'arrive pas à... Et bah bien joué la salle, c'était magnifique. Waouh, tu as humilié mon record, hein. Vraiment. Non mais en fait il a fait 10 minutes au cas où, hein. Vous avez le chrono qui s'affiche. Ouais, bah je sais pas exactement parce que j'ai pas lancé le chrono du coup pour le coup. Eden, t'es seulement là. Ah ouais. Et ouais, mais c'est kata, c'est trop kata là pour atterrir et tout ici là. Ouais, mais est-ce que c'est kata, c'est Katarina?
C'est Katarina. Ah, mais en plus, c'est fini, du coup. Bah, du coup, il y a un moment où je vais le faire, il y a hop. Voilà, Eden, c'est justement ce genre de course. Ah, bah voilà, j'allais le faire, j'allais réussir, voilà. Dommage. Tu vois, Eden, ce genre d'activité. Ah, mais t'as fait 10 minutes, en fait, la salle.